Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça y est, on est à l'approche du deuxième tour de l'élection présidentielle et je peux vous dire que bon, le résultat du premier tour a été dur à digérer. 420 000 voix qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier au deuxième tour. Et nous voilà à nouveau dans ce duel Macron-Le Pen. Et il faut dire que je vois circuler des vidéos sur les réseaux sociaux, pas venant des nôtres, hein, mais je vois circuler des vidéos qui se posent la question. Est-ce qu'il serait utile, est-ce qu'il serait efficace stratégiquement, quand on est de gauche, de voter plutôt pour Marine Le Pen, pour faire en sorte, comme une sorte de stratégie du chaos, que les gens puissent se réveiller et qu'il y ait un sursaut derrière et qu'on empêche Marine Le Pen, comme ça, de gouverner le pays, puisqu'elle n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est ce que défendent les uns et les autres. Eh bien, écoutez, bon, déjà, je dois dire quand même qu'il y a des dirigeants d'extrême droite au sein de l'Europe. Et certains ont pu croire ça dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir. Et finalement, quand ils sont au pouvoir, eh bien, ils arrivent assez bien à le garder. Et les conditions de la lutte sont plus compliquées pour tous ceux qui luttent, notamment ceux de notre camp politique. Il ne faudrait pas l'oublier. Et puis, Madame Le Pen, il faut dire aussi ce que c'est. C'est sur la question sociale un programme tout à fait de droite. Elle est pour la diminution des cotisations sociales prises en charge par l'État, comme l'a fait dans une certaine mesure M. Macron. Elle est évidemment pas du tout pour la retraite à 60 ans, elle est revenue là-dessus. En fait, elle est pour la retraite à 67 ans, sauf cas particulier où elle accepterait que les gens partent à 62 ans. Sur l'éducation, elle pense qu'il faut arrêter avec l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau bac. Donc elle veut déclasser socialement et donc économiquement sur le marché du travail toute une partie de la jeunesse dans ce pays. Pour les étudiants, elle veut plutôt les aider à se salarier et à travailler pendant leurs études, alors qu'on sait que c'est le premier facteur d'échec dans l'enseignement supérieur. Sur la fiscalité, évidemment, elle veut moins d'impôts, et surtout pour les plus riches, où elle modifie aussi les impôts sur la succession. Sur le climat, là, c'est bien pire que Macron, parce qu'à part dire qu'il faut du nucléaire, interdire les éoliennes, il n'y a plus personne, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur des enjeux climatiques. Et si vous comptez sur Madame Le Pen pour mettre des contraintes sur les entreprises, c'est mal barré. Sur l'immigration, évidemment, dans extrême droite, il y a extrême et il y a un programme qui est évidemment xénophobe, qui s'en prend aux étrangers. Elle veut supprimer le droit du sol, le regroupement familial, enfin voilà, toutes ces horreurs habituelles qui sont, vous le remarquerez, qui ne sont pas dans le programme d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas de même nature que le programme d'Emmanuel Macron. Alors sur la sécurité, là, on va très très loin. Elle est pour la présomption de légitime défense, c'est-à-dire en gros donner les pleins pouvoirs aux policiers et aux gendarmes, là où en réalité il faudrait rééquilibrer les choses. Elle veut nous mettre les peines planchers, dont on sait qu'elles ne sont pas constitutionnelles, mais en tout cas l'objectif elle pourrait être d'incarcérer davantage, de mettre davantage de gens en prison. D'ailleurs, elle veut 85 000 places de prison à la fin de son quinquennat, ça ferait 15 000 de plus par rapport au nombre de personnes incarcérées aujourd'hui. Et ça ferait en fait plus de 20 000 places de prison supplémentaires par rapport à la situation, 25 000 places de prison supplémentaires par rapport à la situation d'aujourd'hui. Elle dit même qu'elle est tout à fait d'accord avec la loi Dupond-Moretti qui a supprimé ce qu'on appelle les réductions de peine automatiques pour ceux qui sont incarcérés. Ce qui fait que maintenant, pour avoir des réductions de peine, il faut faire un dossier et prouver de sa bonne volonté. Bonne volonté alors qu'en prison, vous passez 23 heures sur 24 dans votre cellule parce qu'il n'y a pas d'activité, pas parce que vous ne voulez pas faire quelque chose, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui sont proposées. J'en sais quelque chose à la fin de ce mandat pour avoir visité une trentaine d'établissements pénitentiaires. Bon, et puis à la fin, elle veut vous mettre le référendum d'initiative citoyenne pour vous proposer la proportionnelle. Mais alors la question, parce qu'au fond, je sais que ceux qui pourraient se dire « Ah, il faut voter Le Pen pour bloquer le système, bloquer le rouage », ne le font pas par adhésion par son programme. Donc regardons maintenant stratégiquement, est-ce que c'est une bonne option? Évidemment que non, parce que quand vous votez pour l'extrême droite, à la fin, vous prenez le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Une fois que l'extrême droite est au pouvoir, vous prenez le risque qu'elle y reste et qu'elle utilise tous les moyens qu'offre la Ve République, et il y en a beaucoup, les moyens qu'offre la Ve République pour se maintenir au pouvoir. Vous savez, nous-mêmes, on a théorisé qu'il faudrait beaucoup d'actes soient pris par le gouvernement directement par décret. L'augmentation du SMIC, c'est un décret. Prenez 5 minutes. Le blocage des prix, c'est un décret. Et de la même manière, quand vous êtes à la tête de l'appareil d'État, en l'occurrence, ça veut dire que vous avez la main sur le gouvernement, sur les ministères, sur la dissolution de l'Assemblée nationale, sur tout un tas d'éléments concrets où vous n'avez même pas besoin de passer des lois pour faire une politique du pire.
avec d'ailleurs Macron a préparé le terrain. Et là, je rejoins sur beaucoup qui argumentent en disant mais attendez, Macron a fait la courte échelle à Madame Le Pen. C'est eux qui ont fait une loi asile et immigration pour passer de 30 à 120 jours. Hein. C'est eux qui ont fait la loi sécurité globale. C'est eux qui ont fait la loi séparatisme. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est vrai, il a fait la courte échelle à Madame Le Pen. Mais faut-il pour autant avoir Madame Le Pen comme présidente de la République? Je ne le crois pas. Voilà, notre slogan, il était très clair. Pas une voix pour Marine Le Pen. Et puis, vous savez, une fois qu'ils ont mis en place leur système, ils vous mettent en place, ils vous attirent avec la proportionnelle, par exemple, intégrale. Sauf que ce qu'elle propose, Marine Le Pen, comme leurs amis hongrois, c'est qu'en fait, il y a une proportionnelle intégrale avec une prime aux gagnants de 30%. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est en tête est majoritaire. Et en gros, c'est la proportionnelle de toutes les autres organisations politiques. Alors, le petit bout de gras qu'on voulait vous laisser, hop là, bah, ça, ce sera la proportionnelle, il n'y a pas de souci. Mais on laisse une prime majoritaire aux grands gagnants. Et en l'occurrence, là, la grande gagnante, parce qu'on sait très bien qu'il y a une capacité d'entraînement, quand vous gagnez la présidentielle, ça démoralise les autres, et ça vient vous confirmer une majorité. D'ailleurs, c'est ce scénario qu'on veut empêcher. Donc, pas une voix pour Madame Le Pen, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de voter pour Emmanuel Macron. Moi, je vous garderai bien de vous dire quoi que ce soit. Vous avez une multitude de choix. Abstention, bon, moi, je trouve que ce n'est pas terrible, vaut mieux aller se déplacer au bureau de vote, mais c'est un choix qui peut se tenir. Une partie des insoumis et des membres de l'Union populaire qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc se sont prononcés pour s'abstenir sur la plateforme. Vous avez le blanc, bulletin blanc, donc l'enveloppe vide ou le bulletin blanc en tant que tel. Le vote nul, vous mettez ce que vous voulez dans l'enveloppe, un gribouillis pour débrouiller. Et puis le bulletin de vote Emmanuel Macron. Mais vraiment, voter pour Marine Le Pen, c'est pas une option qui est envisageable quand on est d'accord avec l'avenir en commun, avec ce que propose. Les programmes sont radicalement opposés. Donc c'est une connerie de faire ça par stratégie, par tactique, etc. La tactique du pire, c'est qu'à la fin, c'est pire. Voilà, c'est tout ce que ça fait en fait. C'est pire. Et quand c'est pire, les nôtres, c'est plus compliqué pour eux pour lutter et pour relever les étapes. Surtout qu'on s'est fixé pour objectif d'aller à la conquête du troisième tour. Avec un Mélenchon Premier ministre. Alors Premier ministre, ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron le choisirait comme Premier ministre parce qu'il se rangerait derrière Emmanuel Macron. J'entends quelques loulous mal comprendre l'objectif politique qu'on se fixe. Non, c'est juste d'avoir une majorité de députés de l'Union populaire à l'Assemblée nationale et le gouvernement devant être de la couleur de la majorité à l'Assemblée, non pas de la couleur du président. On l'oublie bien souvent depuis qu'il y a l'alignement des deux calendriers. Si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, 7,7 millions de voix, plus ceux, on va dire, du bloc populaire, si les communistes devenaient raisonnables, si les écologistes devenaient raisonnables et qu'on pouvait faire campagne tous ensemble, c'est quasiment 11 millions de voix qui sont à notre disposition. Et si on arrive à bien mobiliser comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, alors oui, c'est une option qui est sur la table et qui est tout à fait possible et réalisable que d'avoir Mélenchon Premier ministre, un gouvernement de l'Union populaire et d'appliquer le programme L'Avenir en commun avec certes un squatteur à l'Élysée. C'est quand même ça l'objectif, d'appliquer ce programme. Et puis on finira par gagner l'élection présidentielle et abolir la monarchie présidentielle et la Ve République dans des délais bien plus brefs si on arrive à accéder au gouvernement. En tout cas, on a bien besoin d'avoir un Mélenchon Premier ministre parce qu'il nous le faut, le blocage des prix. Il nous le faut l'augmentation du SMIC à 1400 euros. Il nous faut toutes ces mesures qui sont extrêmement importantes et encore une fois qui sont déjà entre les mains du gouvernement sans avoir à faire de loi supplémentaire. C'est qui donne beaucoup de pouvoir. Pour rappel d'ailleurs à tous ceux qui sont inquiets sur les questions d'état d'urgence, état d'urgence sanitaire, c'est pareil. L'état d'urgence sanitaire, il a déjà été voté dans la loi. L'actionner ou pas, c'est à la main directe du gouvernement, sans passer par l'Assemblée nationale, sans passer par quiconque. Après, vous pouvez faire des recours au Conseil d'État, mais on a vu ce que ça donnait. Donc, moi, je miserai pas là-dessus. Et pareil sur l'état d'urgence tout court, parce qu'on l'oublie, celui-là. Il existe toujours dans notre droit. Alors, ils ont mis l'essentiel de ces dispositions dans le droit commun dès le début de mandat. Mais enfin, il reste encore des marges et des paliers de progression, et je ne voudrais pas que ce soit entre les mains de l'extrême droite. Bon, alors si j'étais vraiment très désagréable, je dirais à ceux qui ne sont pas encore convaincus à l'issue de cette vidéo de ne pas voter pour Marine Le Pen quand on a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, et même pour les autres, je vous rappelle qu'Hitler a été élu et qu'il est arrivé au pouvoir par les élections. Hein, comme quoi, des fois, la stratégie du pire, eh bien en fait, ça mène juste au pire. Et nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur, donc on se mobilise
tout de suite, on se retrousse les manches, on regarde autour de soi, est-ce qu'on peut rejoindre un groupe d'action, on va sur actionpopulaire.fr, on va dans la bataille et on va aider les candidates et les candidats aux législatives investis par l'Union Populaire pour faire en sorte qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale et Mélenchon Premier ministre. Ciao.